Et puis il ne faut pas oublier l'aspect sociable de la vie, la bienfaisance envers les maris, la bienfaisance envers les épouses, la bienfaisance envers les enfants, la bienfaisance envers les voisins. Ça aussi, ça a beaucoup disparu. Nous ne sommes pas ici dans le chapitre des critiques, mais vous-même, vous savez que la plupart de nos foyers, c'est comme si vous avez mis un chien et un chat dans la pièce. La femme est très heureuse quand le mari n'est pas là. Le mari est très heureux quand la femme va accoucher chez ses parents. Yani c'est comme ça, ça dit la vie est impossible. Mais ça, ça contredit la visée du mariage. Comment Allah du dessus des sept cieux, il vous dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayat. Il dit parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous vos épouses afin de cohabiter avec elles. Et là, entre vous, la compassion et la miséricorde. Où est cette compassion et cette miséricorde? On doit corriger ce mot, Fadim. Il ne faut pas que l'un de nous oublie qu'à cause de sa femme, elle a fait des jetés en enfer. Il ne faut pas que la femme oublie qu'à cause du mari, elle a fait des jetés en enfer. Sharh wal ibana ala usul sunnati wal diyana.